vous les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai été faire des courses parce qu'il fallait que je fasse des courses dans l'ordre. Je suis allée chercher de l'eau pour mes poissons et j'ai acheté des poissons, d'ailleurs faut pas que je les oublie. J'ai acheté 10 poissons, j'ai acheté 40 nez. Ouais, 40 néons, parce qu'il y avait une réduction, c'était 1 euro le poiscaille, donc j'en ai acheté 40, ça fait longtemps, et là quand même, j'ai des poissons qui sont faits pour vivre ensemble, en fait, donc il faut les renouveler, s'ils se reproduisent pas entre eux, même si t'as des guppies ou des moulis qui se reproduisent entre eux, il faut quand même les renouveler un peu, histoire que ça aime, tu sais quoi. Et donc du coup, j'ai racheté 40 néons, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas acheté de poissons. Ensuite j'étais à Action, du coup là je vais aller faire un haul Action des familles. J'étais ensuite à Hyper U, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et j'étais à Picard, j'ai déposé un colis, quelqu'un qui m'a acheté un truc sur le bon coin. Donc je vous fais un petit retour de course des familles, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma chouquette, elle veut des sushis. Du coup j'ai pris des sushis comme ceci. Je vous avouerai que je n'ai pas du tout, je ne sais pas du tout gérer les quantités. J'ai pris cela également. Donc ce sera plateau sushi à 4. Hop. J'ai pris des petits sandwichs comme ceci. J'ai pris une espèce de truc comme ça. On va voir ce que ça va donner. J'ai pris deux éclairs au chocolat. Et un macaron. Voilà. Plutôt que prendre un gros gâteau énorme, j'ai pris ça. Et j'avais, et en plus, attends, c'est pas fini, hein. J'ai pris du lait pour mon fils, le grand lait, il n'y a que le grand lait, et puis son papa n'en a pas acheté de week-end. Je pensais que j'allais, enfin déjà j'ai acheté tout ça comme sushi, et je pensais que j'allais faire du saumon, en fait le saumon il est plus bon. Donc voilà, je suis dégoûtée. Je sais pas gérer, mais c'est trop relou quand je fais des courses, en fait, ça me saoule. Je fais des courses et le papa des enfants il leur fait genre décroque monsieur, j'ai fait un poulet que j'ai fait chauffer, il leur a pas donné à manger. Ça me saoule en fait cette organisation, parce qu'après il me dit on jette plein de trucs, on jette plein de trucs, bah Coco j'ai envie de te dire, fais les trucs que j'achète en fait. Donc c'est assez relou. Délicieux. Donc du coup je m'étais acheté deux trucs de riz comme ceci pour faire avec le riz. Et deux avocats qui sont presque mûrs. Les avocats, je vais les couper et puis je vais les mettre genre en apéro, tu vois un peu l'idée. Donc voilà ce que j'ai acheté. On est quand même pour 89 euros, plus deux espèces de sushis que j'ai acheté moi-même. Ça coûte super cher les sushis. Hop, je vous montre dans mon calendrier la My Muesli, qu'est-ce que j'ai eu. J'ai eu celui-là. Blueberry et vanille. Hop. J'ai eu celui-là qui est juste au blueberry. Blueberry, je pense que ça veut dire fruit rouge en fait. Je pense que c'est ça. Et j'ai eu celui-là à la pomme au cookie. On voit rien du tout. Mais à la pomme et au cookie. Donc ça, je vais la mettre de côté. Pour quand je mange le matin avec mon petit kiwi des familles. Hop là. Vous avez été nombreux à me dire dans le vlog de la semaine dernière que j'avais dit le nom de la chouquette. Quand je parlais du papa des enfants qui m'avait dit... est-ce que t'as pris un cadeau pour l'anniversaire. Donc du coup j'ai écouté mais non, j'ai pas dit le nom là. J'ai pas dit le nom de la chouquette. Mais franchement vous êtes trop kiffant quand vous m'envoyez des messages pour me dire t'as dit le nom de tes enfants. Je trouve ça trop mignon, je trouve ça adorable d'être aussi bienveillant. Franchement c'est trop choupi. Donc merci du fond du cœur. Parce que des fois ça se peut hein, que je dise un prénom. Hop, donc c'est super gentil. Et du coup à Picard, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Picard. J'ai acheté des glaces qu'elle aimait bien, que j'avais acheté l'année dernière. Des glaces comme ça. J'en ai toutes petites glaces, rien du tout. Je vais vous montrer ça. Hop. Elle savait kiffer, ça existe au chocolat comme ça ou ça existe à la vanille. Des toutes petites glaces comme ça. Et elle les a kiffées. Donc du coup, je crois que ça coûte 2 euros et des patates. Du coup, j'en ai pris deux pochées. Voilà. Les gars. Donc là. Désolée, je bouge. Je bouge, mais le temps passe vite. Hop, donc là du coup je vais aller faire mon petit haul Action. Je vais me poser dans la chambre d'amis, faire mon petit haul Action. Et j'ai une petite séquence que je dois vous faire pour la fin. Hop. Est-ce que vous avez une technique secrète pour faire mûrir les avocats moins vite? Parce que là, ceux que j'ai pris, je pensais les manger aujourd'hui, mais ils sont... Je pense pas que je les mange aujourd'hui, tu vois. Dites-moi si vous avez une technique.
Comme ça, bon là tout de suite ils vont être mûrs quand vous verrez cette vidéo. Mais comme ça, je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Voilà, petite technique, le frigo. Je sais pas, je suis bête, hein, je peux regarder sur Google. Hein. Ce matin, le papa, il a donné la console de jeu. Et donc, il a acheté ceci. Hop, et il lui a donné du coup la console de jeu. Mais à 10 minutes de partir, je suis ok. Donc voilà, il lui a acheté la Wii. Un cadeau de ouf. Et moi, je lui ai donné. Et moi, je lui ai donné ce matin. Hop, ça. Hop. Avec. Et moi je lui ai donné ce matin une petite trousse comme ceci avec, hop là, les petites conneries, genre le petit livre, là je vous avais déjà montré ça, des petits trucs comme ça, des petits, ah on voit rien, mais des petits bouquins comme ça, tout petits bouquins, hop, et une pièce d'anniversaire, hop, et un petit grippin, c'est celui que j'avais eu sur Temu. Un tout petit grippin comme ça. Et c'est ça qu'elle voulait amener à son anniversaire. À l'école. Hein. C'est pas la Wii. Hein. C'est pas la Switch. Mais bon, en effet, pas une compétition non plus. C'est pas, j'ai pas envie qu'on rentre en compétition avec le papa des enfants. Mais voilà. Voilà. Allez, je vais me dépêcher parce que ça va passer vite, mine de rien. J'ai pensé d'aller faire mon l'action. Et puis voilà. Et bienvenue dans un nouveau. Ah oui, je voulais vous dire, bah, je suis désolée pour. Enfin, il n'y a pas à être désolée, mais c'est que le vlog de la semaine dernière, j'ai pas beaucoup parlé. Je pensais que j'avais fait une séquence en plus. J'espère que je l'ai pas perdu. Mais du coup, il y avait beaucoup de. Je parlais longtemps de l'aspirateur. Enfin, il y avait limite autant de placements de produits que de vlogs, mais bon, c'est comme ça. Et vous me faites rire parce qu'il y en a qui m'ont dit les commentaires, tu pourras pas parler d'autres produits que des aspirateurs. Bah oui, donnez-moi des autres collaborations plutôt que des aspirateurs. Mais ouais, c'est vrai que des fois, bah, ça dépend du blablatage ou pas du blablatage. Des fois, voilà, il y a des vlogs où il y a beaucoup de placements de produits. Quand j'ai beaucoup d'articles, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de faire une vidéo spéciale ouverture de colis, comme je vous l'ai déjà fait, comme ça je réunis toutes les collaborations ensemble. Quand c'est des vidéos pour des placements de produits qui vont être longues, comme genre les hauls, le Shein, bah, je fais une seule vidéo. Mais voilà, c'est vrai que des fois j'ai pas beaucoup à parler et du coup je parle d'un produit et du coup au final après je parle plus, enfin tu vois, voilà. Des fois ça arrive, mais en tout cas moi les placements de produits pour des aspirateurs, c'est beaucoup ce genre de choses que toutes les influenceuses reçoivent, et ben moi j'aime bien prendre mon temps pour vous en parler parce que vu que j'en ai testé beaucoup, et ben j'aime bien aller dans les détails, tu vois, en plus, donc je vais pas faire un placement de produit de 3 minutes en disant oui bah il est bien l'aspirateur et voilà c'est fini. Donc voilà les gars, c'était juste, hein, c'était rien de méchant, hein, c'était juste par rapport à certains commentaires que j'ai eu des fois voilà. Et ouais, j'ai comme ça, j'ai envie de te dire. Bref, je vais me dépêcher et je vous fais des bisous. Coucou les loulous! On est aujourd'hui mercredi et je vais au sport. Il est 14h, je vais au sport. Ah, peut-être que ce serait une bonne idée de vous montrer ma séance. Enfin, je vais pas me filmer en train de faire ma séance, mais je vais voir. Je vais voir s'il y a du monde ou pas. Mais je vous avouerai que je suis pas à l'aise non plus pour. À la salle de sport toute seule. Alors filmer à la salle de sport, pas forcément moi, mais vous montrer ce que je fais, je suis pas non plus à l'aise, tu vois. J'ai super froid de ouf. Donc je dis, on est mercredi, il est 14h, je me suis levée à 10h et j'ai procrastiné, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à me gérer, à gérer mon temps, à gérer les choses que j'ai à faire. Il y a un an, je faisais plus de choses. J'arrivais à avoir un. Même il y a 2 ans, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est relou. Parce que je me souviens, la dernière fois, j'y ai pensé. Vous vous souvenez quand je vous avais fait les vidéos d'avant l'avant, là? C'est-à-dire que pendant un mois, au mois de novembre, je vous ai une vidéo par jour. J'ai fait ça 2 années. J'avais réussi à gérer. Et là, la dernière fois, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour faire ça? C'est un truc de ouf. Comment j'ai fait pour faire ça? Alors que j'avais toutes mes activités en parallèle, hein, c'est un truc de fou. Là, je vais au sport, j'ai procrastiné 4 heures. J'ai fait un peu de ménage, mais j'ai l'impression de rien avoir fait au final.
super, j'ai fait le produit anti-calcaire. J'ai rien fait, j'ai même pas détendu mon linge. J'ai passé un coup d'aspi, mais j'ai fait trois colis Vinted. Mais j'ai rien fait de particulier en fait, à part fumer des clopes. Wouhou! Ah, franchement, c'est un truc de fou à quel point je suis molle en fait. J'ai du mal à. Enfin, je dis ça, mais la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, j'ai quand même monté construit un meuble, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand j'ai pas d'objectif carré et visible devant moi, comme monter un meuble, comme refaire une pièce de la pièce YouTube à la chambre d'amis, j'arrive pas à avancer en fait. C'est un truc de ouf. Hier, j'ai regardé un peu une série tout en travaillant en même temps sur l'ordinateur, mais j'ai autant du mal à me poser et à rien faire, et j'ai autant du mal à me booster pour les choses du quotidien, tu vois, les choses un peu rébarbatives, du style rébarbative, ouais, du style faire le ménage, machin, truc bidule. J'ai l'impression que je désencombre, que machin, que truc, que bidule, mais que ça n'avance pas en fait. J'ai fait quelques cartons pour le papa des enfants, mais j'ai l'impression que c'est toujours autant de bordel, qu'il y a toujours autant de choses, que. Ah, c'est un truc de ouf. Alors peut-être que c'est parce que je suis dans une. Vraiment là, je suis sur le quai de la gare et j'attends que le train il arrive, tu vois. Mais c'est très relou. C'est très 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 relou. Et ouais, j'ai l'impression de pas avancer. Et je me dis comment j'ai fait pour avancer. Pour réussir à avancer avant, tu vois. La seule truc qui est différente par rapport à il y a un an, c'est que là je me mets au sport, tu vois. Mais cet état de procrastination, flemme de machin, flemme de truc, je l'avais pas avant. J'ai l'impression que je l'avais pas avant, qu'avant j'étais un peu plus allez, on y va, on se motive, tu vois. Là c'est compliqué, hein. Je me suis posée dans mon jardin, là j'ai regardé l'état de mon jardin, il y a des feuilles à faire, des machins, des trucs, des bidules. C'est compliqué, hein. Enfin, c'est compliqué, ça va, hein. Mais ouais, je. C'est vraiment chiant. Et voilà. Hier, le papa des enfants est allé à Ikea. Il a acheté tous les meubles qu'il lui fallait. Donc, c'est cool. Il reçoit 110 cartons samedi et 6 cartons dimanche. Laisse tomber. Hier, on a eu une discussion un peu houleuse. Ça m'a un peu saoulé parce qu'au final, on n'arrive pas à discuter ensemble, donc ça sert un peu à rien. Et chacun a sa version des choses et patati patata, donc c'est un peu chiant. C'est même lourd. Et donc voilà, là, à partir de. Il reste encore. Enfin, c'est maintenant quoi. Il m'a dit qu'il allait arrêter de payer. Les charges de la maison, tu vois, tout ce qui est eau, électricité, impôts, machin, tu bidule, parce que voilà, il dit que bah, dans d'ici 15 jours, il allait, désolé pour la luminosité, il allait prendre possession des lieux, donc ce qui est totalement, je suis totalement d'accord avec lui. Et donc, du coup, voilà, on va rentrer dans le gras du sujet. Je vais devoir assumer. Seule, ça y est, tout ce qui est lié à la maison, ça va le faire, mais ça fait un peu chelou. Et j'ai toujours pas de nouvelles de la banque, c'est un truc de ouf. Eux, ils s'en battent le coquillage, hein. Franchement, c'est un truc de malade. Mais j'en ai marre. J'ai mis en communication la banquière qui me demandait encore des papiers. Du coup, j'ai appelé la notaire. Je lui ai dit, bah voilà, la banquière voudrait ce papier-là. Et la notaire m'a dit, mais je comprends pas parce que ce papier-là, il est sur l'acte de je sais pas quoi. Donc, je comprends pas ce qu'elle veut je comprends pas. Est-ce que vous pouvez la rappeler pour lui dire ce qu'elle veut vraiment? Je lui ai dit, écoutez, je peux pas vous donner son numéro de téléphone. Comme ça, vous voyez ça directement avec elle. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Et elle m'a envoyé une copie d'un mail qu'elle lui avait envoyé. Et après, j'ai plus la réponse. Donc voilà. Hey, mais c'est vraiment chiant, c'est vraiment relou. J'ai pas hâte, mais parce que du coup mes sous qui sont de son côté, ils font des petits bébés, tu vois, mais c'est un truc de ouf à quel point la paperasse, c'est chiant. Après c'est sûr, hein, je suis pas derrière à mettre la pression, tout ça, parce que pour le moment le papa des enfants il est encore à la maison et voilà, je vois pas pourquoi on vendrait la maison, enfin pourquoi je lui donnerais.
les sous alors qu'il est encore à la maison, tant que ça peut faire des petits sous de côté, ça fera des petits sous. Je lui ai déjà donné une certaine somme pour qu'il puisse acheter tout ce qu'il a acheté, tu vois. Donc voilà, mais là d'ici 15 jours, 3 semaines, j'aimerais bien que ça se fasse et j'ai peut-être commencé à mettre un peu la pression sur les papiers qui manquent, les machins, les trucs, et puis à moi récupérer l'argent à droite à gauche et débloquer l'argent qui sont sur certains comptes pour pouvoir lui racheter sa part de la maison. Mais ouais, c'est un peu ouf à quel point ça flotte, à quel point les banques, les notaires, tout ça, les paperasses, ça flotte de ouf, c'est assez relou. Mais donc voilà, donc là à partir du mois de mi-décembre, ça y est, on y sera. Ouais, compliqué tout ça, et c'est fou comme le papa des enfants, il a la rage après moi et il croit que je le dépouille de tout et tout. Et de toute façon, même si je vous donne sa version des faits et que je rentre dans le détail, ça servira à rien parce que lui, il a sa version du truc. Et voilà, on cherche pas qui veut avoir tort, qui veut avoir raison. Tout ce que j'aimerais, moi, c'est que ça se passe bien et qu'on puisse se parler correctement jusqu'aux 20 piges, jusqu'aux 20 piges des enfants, en fait, tu vois. Donc, un peu relou, un peu compliqué, un peu une ambiance de merde. Et je vous avouerai que ça me fait chier qu'on soit pas en mode vas-y, c'est bon, c'est la vie, voilà, tu sais, tout ça pour une histoire de thunes, parce que monsieur pense que voilà, alors que non, alors que voilà, chacun sa version des trucs. C'est un peu relou, c'est un peu chiant, et c'est franchement, et c'est dommage, en fait, c'est dommage de fou, mais voilà, on peut pas, quand la communication est rompue, on peut pas faire grand chose, malheureusement, c'est comme ça. Et puis voilà, quoi. Donc c'est un peu gonflant. J'ai hâte que ça se termine un peu tout ça. Et puis au final, j'ai beau dire tout ce que je veux, quand les gens restent avec leur pensée dans leur tête, c'est un peu compliqué de leur faire enlever ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Je vais pas me saigner non plus pour me justifier pour faire entendre raison aux gens. Voilà. Là, je vais au sport, je vous avouerai que j'ai aucune motivation. Je dis vas-y, j'y vais pas, c'est bon, j'irai vendredi. Non, faut que je me motive un peu. J'irai dans tous les cas vendredi parce que faut que j'achète des choses pour l'anniversaire de la petite. En fait, son anniversaire vendredi avec ses amis. Par contre, je suis dégoûtée de ouf parce que... Enfin, ça me fait mal au cœur, en fait, pour elle, parce que le jour de son anniversaire, bah, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne qui l'a appelé, en fait. Il y a mon frère qui a essayé de l'appeler, mais j'avais pas vu parce qu'il était en... J'avais pas vu, en fait, son appel. Et à part ça, il n'y a personne qui l'a appelé. Il n'y a pas les... Il n'y a pas le cousin. Il n'y a pas, le tonton, l'autre tonton. Il n'y a pas ce soleil, vraiment. Il n'y a pas l'autre tonton. Il n'y a pas la marraine. Il n'y a pas le parrain. Donc ça me fait un peu de la peine, en fait, que personne l'ait appelée. Elle s'en fout sûrement, elle se rend pas compte. Mais moi, ça me fait chier pour elle. Et ça me fait chier aussi de me dire que personne l'a appelée, alors que c'est une petite fille dont les parents se séparent. Et je me dis, bah, pourquoi les gens les appellent pas, tu vois. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ça me fait mal au cœur. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ouais, j'ai hâte de sortir de cet état de glandouille et de machin. Là, voilà, je me dis, je vais aller au sport, je vais me bouger un peu le fiacre, ça va me faire du bien. Et puis voilà, quoi. Je suis habillée n'importe comment, mais vraiment dégueulasse. En dessous, j'ai ma tenue et moi, je vais au fitness park de Potocombo. De Potocombo, non, de Brie contre Bière. Voilà, regardez comment je suis habillée. Je suis habillée n'importe comment. Je prends un casier au pif. Et après on y va. On y va, t'entends.
Du coup, là, je me change. J'aime bien quand il n'y a personne. Franchement, quand il y a du monde, tu vas dire bonjour, bonne journée. La meuf insociable au possible. Mais je pense que tout le monde est un peu associable à la salle de sport. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai toujours mon petit sac que je mets dans la voiture. Quand tu vas à la salle, il faut toujours prendre une bouteille d'eau. C'est toujours bien. Une serviette pour mettre en fait sur les ateliers. J'ai mon espèce de petite besace que j'avais eue sur Shein ou Temu. Je me souviens plus. Je me souviens plus très bien. Mais franchement, elle est pas mal pratique. J'ai mes écouteurs dedans. Des fois, je mets ma serviette. Et puis je mets ma bouteille d'eau. En plus, elle est isotherme, donc c'est plutôt pas mal. Mon petit cadenas, il faut toujours avoir un cadenas. J'essaye de mettre mon short en dessous tout le temps. Et des fois, j'y vais directement en short, mais là, je vous avouerai qu'on se pèle un peu le fion. Donc, du coup, on met le short en dessous parce qu'il ne faut pas déconner, Tintin. Mes petites chaussures, t'as vu? Vous connaissez, hein? Hop, petit pantalon short de chez Shein. Petit haut de chez Shein, rien de fifou. Ah, ça va, y a pas trop de monde. Y a pas trop de monde, ça va. Ah. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que je fais. Et je vous mettrai une voix off pour vous montrer un peu le truc. Donc là, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai ma serviette chez Action, et j'ai une petite pochette comme ça. Pour mettre mon eau et j'ai mes écouteurs dedans en fait. Donc c'est cool. Et ouais, placement de produit. Hop, j'ai les écouteurs que je vous avais montré il y a longtemps. Hop, ceux-là. Et franchement, ils sont top. Parce qu'en fait, ils font réducteur de bruit. C'est-à-dire que quand tu les mets dans tes oreilles, tu n'entends plus rien du tout. Et c'est trop bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les appareils que je vais faire et je vous mettrai une voix off après, post-production. Comme ça, ce sera cool. Donc voilà. Je ne ressemble à rien, mais on s'en fout. Du coup, petit pipi. Petit pipi de la terreur, toujours avant de commencer le sport. Donc là, du coup, franchement, là, ça a été blindé. Donc j'ai commencé par 20 minutes d'espèce de stepper. Vous voyez, le monsieur à côté de moi, il le fait. Lui, il a fait 50 minutes, un guerrier. C'est un espèce de stepper. Ouais, franchement, je trouve que c'est ça. Mais j'ai pas encore trop compris le principe de comment faut y aller. Je fais 20 minutes. Je fais ça un peu pour m'échauffer, mais on m'a dit que c'était pas forcément la peine. Donc 20 minutes de ce truc là et je suis déjà en nage. Donc c'est pas mal parce qu'en fait grosso modo je fais un programme, il t'alterne un peu les exercices. Il dit de faire un truc comme ça, un truc comme ça. Il dit de faire des petits steps, de prendre le guidon là, de prendre le... J'explique super mal. Mais de prendre le guidon au milieu, de prendre le guidon de façon écartée. Des fois de faire des steps en se tenant directement sur l'appareil. Ou alors de faire ça sans les mains. Des fois faut pas se péter la gueule. Franchement, faut pas se péter la gueule. Donc, tu vois, ça, les steps, là, ouh, ça fait mal au fait, ça. Donc, je fais ça pendant 20 minutes, en général, ou des fois, je fais autre chose, mais je fais toujours un petit préchauffe. Et là, du coup, j'ai perdu à peu près 200 kilos, d'après la machine, hein, 200 kilos 200 calories, autant pour moi 200 calories, donc je suis déjà en âge, je suis déjà pas bien. Après je me demande pourquoi personne veut me pécho à la salle. Après chaque atelier tu nettoies ta machine parce que vu que t'as transpiré et tout. Là je suis comme une galérienne parce qu'en fait tous les trucs que je veux faire sont pas dispo. Donc du coup j'ai fait 15 minutes avec Thibaut InShape, spécial boule, voilà, faut le savoir. Donc ensuite c'est parti pour les ateliers. Alors je fais toujours un peu le même, franchement je m'y connais pas trop. Donc je commence par ce truc là. Qui est, alors celui-là, est-ce que tu écartes ou est-ce que tu resserres? Je sais pas, mais je fais toujours les deux. Celui-là, je crois que tu écartes, si je dis pas de bêtises. Mais grosso modo, c'est pour travailler le boule. Alors, je me mets à peu près à 45 kilos. Ça dépend du moment. Normalement, je note, en fait. Voilà, celui-là, t'écartes. Et c'est censé travailler le boule. Et je te jure que t'as un peu le boule en feu. Alors, ce que je fais, c'est que je fais 5 répétitions. Souvent, cet atelier-là, je fais 5 répétitions au maximum que je puisse faire. Donc, il y en a à peu près 18 répétitions. Il faudrait que je monte un petit peu plus le niveau. Donc ensuite je fais ça. Ça, alors c'est dur à expliquer, mais c'est une espèce de barre. Alors moi je charge à 15 kilos et en fait du coup tu vas t'asseoir à peu près dessus, tu vas mettre le dos dessus en fait et tu vas mettre cette espèce de barre au niveau des jambes. Et du coup, tu vas lever le fessard. Ah, je suis une coach sportive dans l'heure. Hein. Tu lèves le fessard et en fait, du coup, tu lèves tes 15 kilos. Voilà, 15 kilos, c'est pas énorme. Mais t'as quand même les fesses en feu.
Étant donné que c'était le bordel, je vous fais le truc dans le vrai sens où je l'ai fait. Hein. Mais il y avait beaucoup de monde. Mais normalement, j'enchaîne les deux exercices là qui sont côte à côte. Et ça, du coup, c'est celui où tu vas resserrer les jambes. Soit ça va plus te muscler à l'intérieur des cuisses. Donc là, tu resserres. Je sais plus à combien je mets, mais peut-être à 45, hein, un truc comme ça. Des fois, je rajoute des demi-poids. Je vais chercher un petit halter et puis je le rajoute en haut pour mettre genre 2 kilos de plus. Parce que là, tu rajoutes que de 5 en 5. Donc des fois là je mets un petit halter au milieu, j'ai vu ça dans une vidéo TikTok. Et donc du coup voilà, ça c'est pour serrer et ça travaille à l'intérieur des cuisses pour affiner, pour muscler l'intérieur des cuisses. Alors tout ce qui est musculation, tout ça, le nom des muscles, des machins, ah, je vous avouerai, j'y connais rien. Il y en a qui vont pas être contents. Ensuite je fais la presse. La presse c'est mon atelier préféré, charge à 80 kilos. Et c'est tout simple, voilà, tu charges, t'enlèves la sécurité, hein, très important. Moi je monte à fond les petits pieds parce que du coup c'est compliqué pour moi, j'ai des petites jambes. Et du coup bah voilà, tu redescends au maximum. Alors moi j'ai la poitrine qui me bloque, donc à chaque fois j'ai l'impression de pas descendre assez, mais je peux pas, à un moment donné ça s'incoince. Et du coup j'ai fait 4 ateliers, normalement je finis par quelque chose de cardio, normalement je fais l'escalier comme t'as vu, mais en fait j'avais pas envie de faire l'escalier. J'ai envie de me défouler un petit peu et du coup j'ai fait une session de tapis, en fait, de tapis tout simple. En plus c'est un beau gosse qui te coach, t'es un petit peu motivé, tu vois un peu l'idée. J'ai fait 12 minutes je crois, 14 minutes, je me souviens plus très bien. Et j'augmente, faut que je trouve vraiment la session parfaite, parce que je kiffe faire des sprints. Du coup les sprints dans cette session là ils sont à 9, mais moi j'augmente juste à 11. Et voilà, je me fais une minute de sprint. Donc du coup, je suis obligée de cliquer sur la petite manivelle là sur le côté, je sais pas si vous la verrez, pour monter jusqu'à jusqu'à 11. Donc c'est un petit peu chiant. Ah non, j'ai fait 18 minutes. Eh, je suis chaude. Je suis grave chaude. Donc 18 minutes de tapis. Je fais à peu près 5-6 sprints pendant une minute. Et franchement, je kiffe le tapis. Je kiffe le tapis. Mais normalement, voilà, je fais soit le tapis, soit l'escalier, soit le stepper. Pour comme cardio en fait. Et là j'ai perdu, je sais pas combien il dit, voilà, 137 calories. Et vous voyez que en fait je dépense moins de calories que sur le stepper. Et voilà ma tête. Tu m'étonnes que je pécho pas en salle de sport. Et après je sors et là j'ai grave chaud. Voilà ma petite séance. Du coup les loulous. Aujourd'hui je vais faire, on est jeudi, il est 11h31. Oh mon dieu ça passe vite. Changer un meuble, je vous montre. On est dans la cuisine et il y a un truc qui me perturbe. Et la dernière fois j'ai eu une révolution. Vous voyez, j'avais ce meuble là et du coup je voulais rajouter une case. Donc du coup j'avais acheté ce meuble là, qui sont que des meubles IKEA. Et vous avez vu que IKEA a changé ses meubles, ils sont un peu plus petits. Vous voyez ici, il y a une petite différence de meubles. Et du coup un jour à 2h du matin, lors d'une insomnie, je me suis dit, ça me perturbe toujours ce truc là, ce petit machin, ça me perturbe. Je me suis dit, mais en fait, si ce meuble là, je le couche et que je mets ce meuble là par dessus, et ben ce sera parfait. Le petit décalage se fera juste sur les côtés, ça fera plus joli que ce décalage là. C'est nul, voilà, ça ne sert à rien, mais ce sera plus joli. Voilà, même si de base je trouve pas ce truc là très très joli. Du coup je vais faire ça. Et du coup pour faire ça il faut changer ça. Et ça, il y a des espèces de petites box à l'intérieur. Il faut dévisser, revisser et remettre les trucs dans le bon sens. Vu que ce meuble là va se décaler comme ça, ce meuble là va se décaler comme ça. Tu vois un peu l'idée. Donc voilà ce que je vais faire. Et ça va me permettre de faire du tri dans toutes les choses qu'il y a à l'intérieur de ce meuble. Voilà ma petite mission du jour. Ah, je sais ce que vous allez dire. Je sais pas à quel moment mon cerveau est parti en sucette et s'est dit qu'un meuble de 3 c'était un meuble de 4. Et bah oui, j'avais 3 comme ça. Comment veux-tu que ça se... Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. J'ai tout. J'ai même lavé mon mur. Franchement, très sympa. Je lessivais mon mur. Mais à quel moment je me suis dit que ça allait passer? Non, parce que là en fait, attendez, je vous ai fait une photo, on s'en rend pas compte. Tu vois, ça va encore, tu vois, il y a juste un petit jour au niveau d'ici, tu vois, ça dépasse légèrement. Mais avant j'avais la place quoi. Attendez.
Focus, voilà. Avant, j'avais la place de mettre un petit meuble là. Là, j'ai pas la place de mettre mon meuble. Moi, ça fait plus... ça fait plus épuré, tu me diras, mais... Mais fait chier, quoi. Mais au moins, ça fait plus épuré. Ouais, tu sais quoi, un peu de changement, ça fait pas de mal. Donc, du coup, là, je vais fixer les deux meubles entre eux parce que j'ai pas envie que ça tombe comme ça, tu vois. Là, il y aura du poids, donc ça va aller, mais j'ai pas envie que ça tombe. Je vais pas les fixer sur le mur parce que je sais pas si ça va rester comme ça. Et dans tous les cas, il avait jamais bougé avant, mais je vais juste fixer en deux points ces deux meubles ici. Voilà. Je suis vraiment con. J'ai fini. Bon, c'est pas déconnant de ouf. C'est pas déconnant de ouf. Ça va, ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis plutôt contente. Ça permet d'avoir un peu plus d'espace en haut. Avoir un peu moins l'impression d'étouffer. Tu vois un peu l'idée. Et voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'ai reçu des cadeaux d'anniversaire pour ma chouquette. Du coup, j'ai configuré un peu tout ça. Ce que j'ai fait pour son anniversaire, c'est que on fait son anniversaire dimanche avec ses copains. Et plutôt que d'avoir... C'est une collègue de bureau qui m'a donné cette idée. Et plutôt que d'avoir... comment dire, plein de cadeaux un peu, entre guillemets, inutiles. Sachant qu'elle a pas trop d'idées. Et ben, à part des cartes Pokémon... bah du coup j'ai décidé j'ai demandé aux parents de m'envoyer des cartes cadeaux. Bon, j'ai anticipé les cartes cadeaux parce qu'il y a un parent qui a commandé une carte cadeau. Il m'a dit je vais le recevoir demain. Ouais, genre ils veulent offrir des cartes cadeaux. Je crois que je me suis mal exprimée, mais c'est pas évident de communiquer aux parents en leur disant, ils me disent est-ce que vous avez des idées. Je fais bah écoutez, j'ai fait une liste sur Amazon, mais vu qu'il y a des gros achats, et ben l'idéal sera d'offrir une carte cadeau. Alors, il y en a une personne qui me l'a envoyé par mail, et une personne qui l'a acheté et qui va la recevoir, et il y a une personne qui avait donné la carte cadeau, tu vois. Mais moi, du coup, je me suis... Voilà, j'aime pas quémander non plus. Après, chacun fait ce qu'il veut, voilà, les personnes ne sont pas obligées de lire la liste, si ça leur plaît pas, voilà, je leur dis, bah, si vous voulez, vous pouvez acheter une carte cadeau, comme ça, avec plusieurs cartes cadeaux, je peux acheter un cadeau. Mais du coup, voilà, il y en a qui ont acheté carrément les cartes cadeaux en physique. Et du coup, bah, vu que son anniversaire c'est dimanche, j'ai envoyé un petit message de rappel, très gentil, hein, aux gens en disant qui m'avaient dit oui, je vais prendre une carte cadeau. J'ai dit bah, si c'est toujours d'accord pour vous, est-ce que vous pouvez la prendre aujourd'hui parce que c'est la date limite de livraison pour qu'elle ait des choses à déballer dimanche. Donc du coup, qu'il y avait des gens voilà, qui avaient fait des achats en réel, j'ai anticipé les cadeaux et il y en a, donc voilà, donc je vais recevoir des cartes cadeaux physiques, mais du coup c'est pas grave, j'achèterai d'autres choses, c'est pas grave, voilà, bref. Il y a un cadeau qui doit encore arriver de mon frère, et en fait grosso modo j'ai pris cette petite enceinte là JBL, toute mignonne, toute rose, franchement, elle est trop choupie. J'ai pas là. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez. Mais c'est celle-ci. Ouais, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Elle est toute petite, toute mignonne, comme ceci. Et du coup, j'ai pris également ceci, un lecteur MP3. Par contre, ils sont mignons, mais sur le lecteur MP3, tu peux télécharger des applications et tout. Donc, genre, tu peux prendre TikTok, tout ça. J'ai pas très envie. Je vais déjà paramétrer, je l'ai connecté à la Wi-Fi et tout. Et en fait, le but, je voulais qu'elle ait... comment ça s'appelle? Hop. Comment je fais pour arriver au premier truc? Voilà. Je voulais qu'elle ait YouTube Music, en fait. Et du coup, je vais paramétrer, je vais créer une adresse mail à son nom, c'est trop marrant. J'ai fait une adresse mail, c'est trop bien. Parce que du coup, j'ai fait un compte Gmail. Et quand tu crées un compte Gmail, tu peux choisir de créer un compte Gmail pour les enfants. Donc du coup, je vais créer un compte Gmail pour les enfants. J'ai associé à ce compte Gmail moi, tu me diras après, peut toujours s'en créer un. Ouais. Con. Bon, faut faire attention, mais voilà, j'ai créé un compte Gmail pour les enfants, j'ai associé à mon compte Gmail, et là j'ai téléchargé genre YouTube Music, et à chaque fois que je voulais télécharger des choses, genre par exemple, j'ai téléchargé le truc de mail, il y a une petite coque de protection, franchement c'est trop bien, c'est trop bien, hop, c'est de cette marque là,
À l'intérieur, vous avez également un petit, des petits écouteurs, donc c'est cool. Et donc du coup, c'est pas mal le compte Gmail. Après voilà, tu me diras, il peut toujours créer son propre compte, le gamin. Mais ouais, tu veux juste un lecteur MP3, t'as un truc de ouf, tu vois. C'est un mini téléphone en fait, hein. Et du coup, j'ai voulu télécharger YouTube Music et il m'a demandé la confirmation des parents, nanana, donc c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, je vais télécharger YouTube Music et j'ai réussi à lui envoyer la playlist que j'avais déjà sur mon truc à moi. Et donc du coup, bah je lui ai mis sa petite playlist. Et donc c'est trop bien. Est-ce qu'on peut écouter? Pourquoi on n'entend pas d'ici? Ah ouais, du coup, elle a des pubs. Waouh. Et ça sort de l'enceinte. Donc c'est assez chouette. Ouais, c'est pas une musique, c'est... Voilà, stop, les droits d'auteur. Mais du coup, c'est bien, voilà, elle a son petit truc, ce sera connecté à là, elle pourra écouter sa musique. Mais du coup, affaire à suivre, parce que ça reste quand même... j'ai l'impression que c'est quand même un peu téléchargé pas mal de choses. Donc faut faire gaffe. Mais voilà, elle a ça, donc c'est plutôt cool et j'espère qu'elle va être contente. J'éteins et je mets tout ça dans sa boîte et je vais emballer tout ça, donc voilà, je suis trop contente. Je suis contente d'avoir fait le petit meuble et tout, franchement je suis super contente. Là je vais aller me laver, histoire de, et j'ai trouvé quelques conneries à mettre en vente sur Vinted. Donc je vais faire des photos et je mettrai en vente ça ce soir. Mais là je vais aller me laver. Franchement l'enceinte elle est trop mignonne, donc j'espère qu'elle va être contente. Du coup j'ai pris en rose et je sais pas pourquoi, voilà c'est en rose et je sais pas pourquoi, mais hier j'étais à chercher au centre de loisirs, elle me dit à ce qui paraît je vais avoir une enceinte pour mon anniversaire. Je me dis mais bon, pourquoi les gens ils balancent, tu vois, c'est machin qui a dit ça, c'est sa maman qui m'a dit. Donc voilà, bon, j'espère qu'elle va être contente. Voilà, ça reste des cadeaux utile et voilà, ça reste des cadeaux utiles plutôt qu'aller après c'est cool hein, chacun achète ce qu'il veut, mais du coup je sais que à l'anniversaire elle a vu 3 Barbie, elle joue pas du tout aux Barbie, donc voilà, j'ai préféré faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je voulais vous dire dans mon dernier haul action, je vous parlais de mon chat qui pissait partout et tout, mais j'ai conscience qu'il est totalement un peu sénile et tout. Mais mine de rien, mais je l'engueule pas, hein, parce qu'il ne faut pas l'engueuler, nanana, je l'engueule pas, franchement, quand il pisse juste à côté de sa litière, je vous montre un peu comment c'est foutu. Hop là, mais grosso modo, il y a sa litière qui est là, hop, elle est propre, hein, sa litière qui est là, il neige. Et en fait, il arrête pas de faire pipi sur ces petits trucs là, c'est les espèces de petits boudins. Mais je vous jure, hein, j'engueule pas hein, quand il pisse, j'engueule pas. Voilà, je fais mon truc, je nettoie et puis basta, poète poète. Hein, je le défonce pas. Cette nuit, on a dormi tous les deux. Câlin, on a dit un petit couple, un vrai câlin. On a dormi en cuillère avec mon chat, c'était trop mignon. Bref, allez, je vais me dépêcher, je vais m'activer parce que du coup, c'est passé très très vite cette journée. Mais je suis contente d'avoir un petit peu, voilà, un peu changé un peu la décoration de la maison. Voilà, ça fait plaisir, un petit peu de changement, et je suis très contente aussi d'avoir un peu lessivé mon mur, parce que du coup ça donne un petit peu, j'ai lessivé que cet endroit là, et ça donne un petit coup de ça éclaircit un petit peu le truc. Bref, je vous fais des bisous, je vais faire ce que j'ai à faire, et je vous dis à plus dans le bus. Je vous ai pas donné les prix, je vais vous donner les prix. Pourquoi j'ai un message? Je sais pas qui c'est. Bon, bref, je regarderai après. Les prix Amazon. Hop, attendez, mes commandes. Le lecteur MP3, il a 56 euros. Je l'ai acheté 59 euros, mais ouais, c'est les Black Friday. J'ai pas fait gaffe, mais bon, c'est pas grave. Il est à 56 euros. J'espère qu'il va tenir la batterie quand même. Oh, je suis dégoûtée. Bon, bref, c'est pas grave. Je l'ai acheté 59 euros. Ça va. Et la petite enceinte, elle est moins chère. La petite enceinte, elle est à... à 39 euros. Voilà. Voilà. Yo les gars, j'ai été faire quelques courses d'anniversaire pour ma fille. Bon, rien à voir. Mais j'ai pris du pain de mie comme ceci. J'ai pris des gaufres liégeoises comme ça. Des gâteaux comme ça. Hop, des Kinder white pour les enfants parce qu'ils ont kiffé de ouf. Des petites madeleines comme ceci.
des pains au chocolat comme ça pour mon fils le matin, il aime bien. Un jus d'orange, hop, un jus de pomme, des bananes, je vais leur faire des petites bananes aussi. Du coup, il y avait un gâteau d'anniversaire, il était à 16 €. J'ai fait non mais allô quoi, tout ça parce qu'il y avait des bougies d'anniversaire. Donc j'ai pris, je vais faire des cookies et je vais faire un gâteau comme ça. Donc du coup j'ai pris du beurre et des œufs. Je sais pas si je vous les ai montrés. On fera ça demain. Et j'ai pris des bonbons et têtes brûlées, des crocodiles, des petits bonbons comme ça qui picassent. Et ça. Je me suis pris ça pour manger là tout de suite ce midi, vite fait, bien fait. Et puis voilà. Et puis voilà, je sors de chez le dentiste. Ma dentiste à moi qui m'a confirmé qu'il fallait faire. Que ce serait bien. Est-ce qu'on n'en jamais. Que ce serait bien de faire le. Tu sais, de soulever les. Les. Un gros bouclon là. Hop, de soulever les. La gencive et d'enlever le tartre parce qu'en fait j'ai un tartre qui se met sous les gencives et que ce serait bien de le faire, donc le truc à 900 balles. Elle propose aussi de faire un truc intermédiaire, mais elle me dit que ce serait bien de faire le truc. Son truc à dire intermédiaire c'est à 480 balles. On m'avait dit qu'il fallait que je le fasse. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais tu vois là, genre quand j'ai fait mes cours, j'avais envie de pleurer parce que je me suis dit wow, comment je vais faire. Donc voilà. Donc là. On a fait des courses, hein, okidoki, et puis les dents, je les ferai, mais pas tout de suite, 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 tout de suite. Voilà. Après, j'ai pris que des marques, là, c'est sûr, hein, j'en ai pour 59 balles, j'ai pris que des marques, mais j'avais envie du bon pour son anniversaire. Voilà. Les loulous, j'ai l'impression d'être toujours au même endroit, c'est un truc de ouf. On est samedi aujourd'hui et je pense que ce vlog n'est pas trop fourni. Je pense que j'ai pas dit grand chose. Du coup on est samedi, je suis avec les enfants. Franchement tranquille le week-end. Le papa des enfants est parti vendredi soir construire, dormir. Il a dormi chez lui. Donc du coup cool. Cool de ouf. Du coup j'étais avec les enfants à la maison dès le vendredi soir. Et là ce soir il dort encore dans son appartement parce qu'il a 100 et quelques colis Ikea à monter, donc plutôt cool. Les enfants sont en bas en train de construire un Lego. La chouquette a reçu son cadeau de son parrain. Elle a reçu ceci. C'est trop bien, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais elle a reçu ça, attendez, je vous montre, on descend. Est-ce que je peux avoir la petite Peach s'il vous plaît pour montrer au loulou? La petite Peach. Merci mon cœur. C'est un petit Lego comme ceci. Connecté. Voilà, et du coup, elle construit ses petits, trucs, et en fait, grosso modo, elle va passer sur un truc, elle fait, oh, il y a du feu, j'aime pas trop le feu, est-ce que t'as un autre truc? Hop. J'ai l'herbe. Voilà, par exemple, l'herbe, elle va passer à faire, oh, j'ai de l'herbe, voilà, et puis après, c'est tout un élément à construire. Fais voir le tien, s'il te plaît. J'ai de l'eau aussi. Merci, et... Je vous explique après. Et il y a de l'eau et tout. Bon, il y a tout un parcours. Il y a tout un truc à construire. Après, tu peux en prendre d'autres. C'est une amie qui m'a conseillé ce truc-là parce que son fils il kiffe. Donc ça, c'est le kit de la chouquette. Je vous mettrai les liens sur Amazon. Donc c'est celui-là. Et là, j'ai vu. On allait chercher directement. On allait à un truc de Noël, je sais pas quoi. Tu sais, genre marché de Noël, je sais pas quoi. Et on allait le chercher dans la foulée. Et du coup. Et du coup, ça commençait à se battre et tout. J'ai fait, prenez vos chaussures, on y va, parce que là vous êtes en train de vous battre. On va au supermarché, on va en acheter un pour Chouki. Et donc du coup j'ai pris celui-là. Il y avait que celui-là, il y avait pas la version tu vois, c'est pas les mêmes boîtes. C'est pas les mêmes boîtes. Mais voilà, il y avait pas l'autre version. Et donc du coup j'ai pris celle-là à 50 €. À hyper U, laisse tomber. Et voilà, donc du coup ils sont tous les deux en train de construire des Lego. Et puis voilà. Et puis voilà l'histoire. Mais sachez que celle-là elle existe aussi version plus petite à 40 et quelques euros et des patates. Donc voilà, sur Amazon. Même 35 €, je crois qu'il est un peu moins cher. Et il y a aussi Luigi. Et après il y a plein de trucs à construire, hein, laisse tomber. On verra ça tranquillou bilou. Mais voilà. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Moi je vais faire le montage de ce vlog tranquillou bilou aussi, pendant que eux ils construisent ça. Je suis super contente au final de mon meuble. Franchement, je suis grave contente, je trouve ça trop mignon. Et ouais, et je vous ai pas montré, mais j'ai installé, hop, la lampe de ma maman. Elle avait cette lampe là il y a longtemps. Je sais pas si on voit bien le truc, mais c'est une lampe comme ceci en verre.
Attendez, je l'éteins pour... Voilà, je la vois un peu. Et donc elle est comme ceci, donc j'ai mis ça là. Et franchement, je trouve ça trop mignon, je trouve ça cosy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je kiffe. Le petit aménagement là, je trouve ça assez cool. Je trouve ça très, très mignon. Je trouve que c'est un peu... Coucouling. J'aime beaucoup. Je suis en train, j'ai mis aussi un tapis, j'ai mis un espèce de un plus grand paillasson et tout. Donc je trouve ça, j'aime bien cet effet petit coucouling qu'on a à la maison. Et ça va être chouette parce que du coup quand le papa des enfants va partir, ce sera le moment où on va faire Noël et tout. Donc sur le sapin et tout, franchement ça va être grave cool. Je suis grave excitée, je suis grave contente. Là du coup j'ai fait le montage de ce vlog. Ensuite j'ai fait les gâteaux, donc les gâteaux que je vous ai montrés là dernière fois. Et désolé, je suis dans le speed, mais j'ai plein de trucs à faire. Et la chouquette fête son anniversaire à l'école mardi. Moi je travaille lundi, mardi. Donc du coup je vais faire aussi ceci, une préparation que j'avais il y a longtemps. Donc voilà, je vais faire tout ça. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai pas mal de choses à faire. Et il y a les enfants, donc c'est cool. Franchement je suis contente, je suis bien, je suis go queen. Même si là j'ai l'air speed, je suis très contente. Je suis très contente d'être là avec les enfants, de faire mon vlog, tout ça. La cheminée, feu de cheminée, tout ça, on est bien. Donc voilà les gars, voilà ce que j'aurais à dire. Je vais vous laisser là. Dites moi ce que vous pensez un peu du meuble et tout. Dites moi un peu ce que vous pensez de tout ça. Moi je suis contente de tout. Et je suis contente de ce week-end. Voilà, demain en fait l'anniversaire avec les copains de ma fille. Et il y aura une collègue de taf qui va venir avec son mari à la maison. Donc c'est trop cool aussi. Franchement que des trucs cool en ce moment. Et j'ai fait un petit peu de bricolage aussi, je vous ai pas forcément montré, c'est un peu de voilà. Mais genre ici j'ai installé une tablette. Hop, voilà. Elle est pas jolie, mais voilà, j'ai rajouté un petit rangement en plus parce que bah histoire de rajouter un truc en plus parce que sinon ces trucs là c'est de la merdouille hein. Mais c'était en bas à côté de la bonbonne de gaz. Donc j'ai rajouté ça. Et un autre truc vraiment pas intéressant du tout. Hop, j'ai rajouté une autre tablette avec les espèces de tablettes de chez Chine que je vous avais montré. Hop, ici, voilà, j'ai rajouté une petite tablette ici en plus. Voilà, histoire d'avoir un autre compartiment en plus. Voilà, là, je vais vous laisser. Non, coupez le son, coupe. Éteins le téléphone. Non. Non, mais t'es fou. On peut pas. Coupe. Oh, parce que si on met de la musique, et ben ça s'entend chez les loulous, et après on n'a pas de sous. Je vais te remettre ça tout de suite, d'accord? Je te remets ça tout de suite. Mais non, mais Super Mario, c'est pas une licence libre de droit, on est mal. Les loulous, je vous fais des gros bisous, je vais vous laisser là. Plein de gros bisous. Vous voulez faire des bisous? Vous faites des bisous, loulous? Au revoir. Au revoir. Le mot de fin sera Mario. Au revoir. Doucement, le mot de fin sera Mario. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. À la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Plein de gros bisous. On va mettre de la musique. On va construire les Lego. Regardez ce qu'on a eu aussi à Hyper U. Plein de petits bonhommes Harry Potter. Et dans qui t'en as eu? Moi, j'en ai pas eu. C'est vous qui avez eu tout ça. Eh, on a eu pas mal de choses. Hein. Est-ce ton but? Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et mot de fin, Mario, dans un nouveau vlog. Bisous les loulous et merci d'être là. Rio Cancun Marbella, toi moi soleil ma bella. Versace Gucci Margiela, j'ai la classe comme Manny Rivera. Cigario, dans le barrio, parfum vanilla.